Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. L'année 2020, l'année de tous les records de température. Le réchauffement climatique est exponentiel. Même si un accident météorologique, comme un hiver très froid, peut arriver, de multiples indicateurs sont aujourd'hui visibles sur le changement en cours. En 1892, à Verkhoïnsk, près du cercle polaire arctique, la température relevée était de moins 67,8 degrés. Il s'agit de l'un des endroits le plus froid de notre planète. Pourtant, le 22 juin 2020, les températures ont battu un record avec 38 degrés, soit 105 degrés d'amplitude thermique. Ce qu'il est important de noter dans cette évolution du climat directement liée aux activités humaines, c'est que le moindre degré supplémentaire compte, détraquant l'équilibre fragile sur lequel repose tout type de vie, y compris la nôtre. Aussi aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un élément dont vous avez certainement entendu parler, mais dont l'impact est encore aujourd'hui minoré malgré les menaces qu'il sous-entend. Il s'agit du permafrost et de sa fonte. Mais qu'est-ce que le permafrost? Appelé également le pergélisol, c'est un terme géologique dont vous avez sans doute entendu parler au collège pour définir les différentes strates de la Terre. Il s'agit simplement d'un sol dont la température est inférieure à zéro, soit gelé pendant au moins plus de 2 ans. Ce permafrost représente à peu près 25% de l'hémisphère nord de la planète. Nous pouvons géographiquement le définir sur une bande allant de l'Alaska aux États-Unis jusqu'à la Sibérie en Russie. Cependant, le réchauffement climatique a vu ces régions augmenter de température de 2 à 3 degrés en quelques décennies, ce qui signifie que le maintien du gel sur ce sol n'est plus exact. Les scientifiques sont clairs, c'est la première fois depuis la fin du dernier âge glaciaire que le permafrost fond, et ça, c'était il y a 11 000 ans. Ce bouleversement écologique va avoir des conséquences terribles. Outre les problèmes rencontrés par les populations locales, c'est-à-dire des affaissements de terrain, des déformations de routes ou encore des ruptures d'oléoducs, cette matière gelée depuis des milliers d'années contient énormément de quantités de matière organique, qui sont essentiellement composées de dioxyde de carbone et de méthane. Ces gaz sont responsables de l'effet de serre et donc du réchauffement. Cela signifie que la fonte du permafrost accélère le réchauffement. Les scientifiques estiment que 50% des territoires recouverts de cette couche auront fondu d'ici 2050 et 90% d'ici à 2100. Or, une récente étude nous alerte une fois de plus sur la rapidité de sa fonte, qui est finalement plus rapide que les prévisions puisqu'il dégèle 70 ans plus tôt que prévu. Ce permafrost représente 1600 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de l'ensemble des forêts du monde qui brûlent 2 fois. Juste inconcevable. Non loin de Verkhoïnsk se trouve le village de Tchersky, où un spécialiste du permafrost vit depuis des décennies tout en étant peu consulté par le consensus scientifique. Il s'agit de Sergueï Zimov. Spécialiste russe du permafrost qu'il étudie depuis plus de 40 ans. Cofondateur de la Northeast Science Station, une des 3 plus grandes stations arctiques du monde située près de Tchersky en Russie, il a publié en collaboration de nombreuses études sur le pergélisol et les émissions de dioxyde de carbone et de méthane des hautes latitudes dans le cycle mondial du carbone. Ces articles suggéraient que l'ébullition du méthane se révélait être une source importante de méthane atmosphérique qui amplifie le réchauffement et donc le dégel et ainsi un peu plus le réchauffement climatique.
Le scientifique pense, après ses années d'études, avoir trouvé une solution écosystémique pour arrêter cette catastrophe. Farfelu pour les uns et un génie pour les autres, ces hypothèses reposent sur la transformation progressive du paysage. En 1988, à Tchersky, en Russie, il crée un parc atypique appelé Pléistocène. Ce projet scientifique repose sur une constatation. Pendant une grande partie de l'Holocène, le pergélisol est resté gelé. L'apparition de l'homme dans ces régions, la chasse excessive sur les grands mammifères herbivores, causait progressivement leur disparition. Ils étaient pourtant les garants d'un écosystème de prairies et de steppes propice à une boucle de rétroaction positive pour le climat. Les mammouths, les rhinocéros, les nœuds, les bisons, les chevaux, les bœufs musqués, les élans, les yaks établissaient ce paysage. Par leur disparition, les mousses, les arbustes et les arbres ont pu prendre le relais, amplifiant le réchauffement climatique, captant plus de chaleur. Son idée publiée dans Science en 2005 est simple et peut apparaître comme farfelue, mais a le mérite d'avoir tout son sens. La forêt boréale de conifères, également appelée taïga, est une forêt marécageuse assez pauvre en animaux et en biodiversité. Son albédo est bas du fait de la teinte sombre des arbres, des mousses et des lichens. L'albédo est le pouvoir réfléchissant d'une surface aux rayons lumineux. Plus son chiffre est élevé, plus l'énergie renvoyée est proche de l'énergie incidente. Ainsi, une forêt de conifères a un albédo de 0,05 à 0,15, alors que la neige tassée, c'est d'environ 0,70, 0,80 pour la neige fraîche et 1 pour un miroir parfait. De plus, la neige épaisse de 7 à 8 mètres tient le rôle d'isolateur thermique. L'idée de Zimov est donc de repeupler la toundra d'herbivores pour tasser la neige et réfrigérer la terre. C'est ce qu'il développe dans son parc de 20 km², repeuplé de yaks, de bisons, de bœufs, de cerfs d'Irkoutsk et d'orignaux. Il a montré qu'il est possible de faire vivre 10 tonnes d'animaux par kilomètre carré dans cette toundra. Un mammouth, 5 bisons, 6 chevaux yakouts, 10 rennes. À ce jour, le parc n'est plus financé par les deniers publics depuis la chute de l'URSS ni par l'état de Iakoutie et est donc alimenté par des fonds internationaux. Il est la propriété de la famille Zimov et des savants viennent du monde entier travailler dans la station scientifique. L'hypothèse Zimov est donc de rafraîchir la terre pour ralentir la fonte du permafrost avec la déforestation de la taïga, l'extension de la toundra et son repeuplement par une foultitude d'herbivores adaptés au climat. Le bilan thermique serait négatif avec la neige tassée, l'albédo plus élevé, qui ne serait pas compensé par les émanations des herbivores, le méthane, ou la disparition de la forêt, piège à CO2, une solution totalement écologique. Le seul problème à ce jour est la surface. Il faudrait créer un parc du Pléistocène de 20 millions de kilomètres carrés pour contrer la fonte accélérée du permafrost. N'oublions pas que dans chaque changement engendré par le réchauffement climatique, des populations doivent aussi s'adapter. En Alaska, par exemple, les petits villages installés près des cours d'eau sur pilotis doivent aujourd'hui migrer. Avec la fonte du sol, les villages s'enfoncent progressivement, ne laissant le choix à personne. Les caves à glace installées près des maisons, qui sont d'immenses congélateurs souterrains construits depuis plusieurs générations, se remplissent désormais d'eau. Ce permafrost, sur lequel chaque construction humaine comme naturelle ont été édifiées au fil des millénaires, se voit contrainte au mouvement continu provoqué par le dégel, déformant progressivement les paysages, les rendant hostiles temporairement à la vie humaine, il impose désolation et exil. Les changements arrivent, nous le savons. Comment nous préparons-nous? Telle est finalement la réelle question. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Moi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Mais tu vois le Green, Green absolu. Green, un Green plus Green.